3. Non, la même. La même, on a très mal défendu, surtout la dernière. Même si sur le premier but, je pense qu'on peut mieux défendre aussi. Mais deuxième mi-temps, on se fait transpercer un peu partout. Il y a trop d'espace. On défendait tout le temps en reculant, au lieu d'avancer. Comme on avait su bien le faire contre Rennes et à Monaco. Voilà. Quand on a eu le ballon, on l'a rendu aussi très vite. Voilà. On n'a pas été bon la dernière demi-heure. Là, c'était pire. C'était pire, on menait 4-1. On menait 4-1. On a pris 4. Bah, tu te remets au travail, hein, c'est tout. Hein. C'est arrivé. On va pas refaire le match. Hein. On ne pourra pas le rejouer de toute façon. À moins que Lyon ils acceptent qu'on rejoue le match. Bah, les traces, moi ce que j'attends de l'équipe, c'est qu'on ait une bonne réaction et qu'on, déjà devant notre public, qu'on montre le visage qu'on a montré sur les matchs qu'on a fournis à domicile. Voilà, il faut qu'on ait cette ambition-là de retrouver la gagne et que dimanche à 17h, on ait la victoire. Hein. Ils ont vu les images, voilà, ils ont vu leur match, ils savent aussi ce qu'ils ont fait et ce qu'on a mal fait collectivement, individuellement. Il y a des joueurs qui n'ont pas été performants et d'autres collectivement aussi qui n'ont pas travaillé comme il fallait. Voilà, c'est tout. Les débutants, les rentrants, tout le monde. Oui, mais il y a eu des. Je les ai vus, oui. J'ai vu le responsable et j'ai vu. Le collectif, tout le monde s'est bien passé. Bon, j'ai pas 10 000 changements, il y aura peut-être avec Falaï qui est déjà un petit peu handicapé, et puis je vais voir le petit Château comment il peut agir aussi. Voilà, ça lui permet de se montrer aussi, à lui de montrer un bon visage. Et puis j'attends de tout le monde l'attitude positive, montrer après une petite claque qu'on a pris là, comment tout le monde réagit. Moi je compte sur tout le monde. Après, j'attends de tout le monde qu'ils me mettent le doute pour les mettre sur le terrain. Tout coach a envie d'avoir un effectif. Compétitif. Voilà, si il est aussi fort que Falaï, ce que m'a montré Falaï sur les matchs qu'il a joué, voilà, il a été bon. Là, il est passé à travers. Voilà, j'attends de lui qu'il me montre qu'il est en capacité de défendre et d'amener offensivement aussi ce qu'il faut. Voilà. Tous les joueurs sont importants. Après, c'est eux qui doivent me montrer qu'ils méritent d'être sur le terrain. C'est pas dire, moi je suis incapable, moi il faut que je joue. Tu joues, mais il faut être tout bon. Mais oui, mais ça Jean-Marc, tu le sais bien, tout le monde, on sait qu'on a des joueurs clés à certains postes qui sont très importants, qui sont des titulaires. Quand ils sont disponibles, mais tu les mets directement titulaires. Après, il y a d'autres postes où il y a un peu de concurrence, mais il faut que quand on change, le joueur il rentre et il apporte ce qu'il doit apporter par rapport au joueur qui démarre. Quoi. Non, il a fait des bonnes choses. Il a fait des bonnes choses. Il s'est bien montré entre les lignes. Il a bien orienté le jeu sur la première mi-temps. Il a fait des bonnes choses. En deuxième mi-temps, et il a disparu aussi physiquement déjà, et après il a disparu jusqu'à son changement, quoi.
Ah oui, à lui de. C'est un jeune joueur, à lui de continuer à travailler, à bien travailler comme il le fait, et puis il aura des beaux joueurs devant lui. Hein. Oui, il a bien évolué depuis mon premier passage ici en tant que coach. Il a grandi. Il a fait des bons choix. Sur le troisième but, il met un bon ballon à Eli. Voilà. Dans la récup, il a été bon. Voilà. Après, il s'est effondré aussi avec toute l'équipe. Un vrai leader, oui. Mais le gamin, il a mis 17 buts quand même cette saison. Hein. Depuis qu'on est arrivé, il a mis 10 buts. Il a dû faire 2-3 passes décisives. C'est un joueur qui a vraiment un gros potentiel. Après, je le répète, il a du travail encore. Hein. Mais il faut qu'il travaille déjà son volume de course. Quand on voit d'autres attaquants qui sont en capacité de répéter du pressing et des appels de balles derrière, voilà, c'est ce qui lui manque. Non, mais elle existe. Avant, elle n'existait pas. Avant, on enlevait maillot, on faisait ce qu'on voulait. Aujourd'hui, elle existe. Quand il y a quelque chose qui existe, ben, tu ne fais pas. Tu fais autre chose. Si tu veux faire une pirouette, il fait une pirouette et il fait ce qu'il veut. Qu'il se fasse pas mal, surtout, mais...